Bonjour. Bonjour. Vous avez seulement 22 ans et vous sortez déjà votre deuxième album. Enfin, le premier chez My Major Company. Parlez-nous de Tomber du lit. Tomber du lit, c'est un album plutôt intimiste, sonorité acoustique, puisqu'il n'y a que des instruments qu'on va pouvoir retrouver sur scène. C'est un album que j'ai écrit, composé entièrement, que j'ai co-arrangé. Et oui, je l'ai fait avec l'idée de présenter au public sur scène, avec une vraie volonté de chanter sur scène. Vous avez choisi la voie de l'indépendance avec My Major Company. Racontez-nous ce changement radical. La voie de l'indépendance avec My Major Company, oui, c'est vrai, parce qu'il y a une proximité ici. D'abord, proximité avec le public, puisque ce sont les internautes qui produisent l'artiste. Moi, j'ai plus de 620 producteurs, il me semble. Donc on est nombreux, c'est un vrai travail d'équipe et ça se ressent dans les locaux, ça se ressent au sein du label où il y a une ambiance très familiale et où effectivement il y a une proximité avec les dirigeants, avec toute l'équipe et quand on a une question, bah, on a tout de suite la réponse. Judith, vous composez et écrivez l'ensemble de vos chansons. D'où vient cette maturité? Vous avez commencé très jeune à vous rêver en tant qu'artiste, dès 8 ans, c'est ça? À 8 ans, j'ai compris que c'était le métier que je voulais faire, que je voulais être dans le monde du spectacle. Et je l'ai annoncé à mes parents qui ont beaucoup ri à l'époque. À 16 ans, vous avez même participé à l'aventure Star Academy? À 16 ans, j'ai participé à la Star Academy, effectivement. J'étais la Benjamine de la promotion 6. Et ce fut une expérience fort enrichissante. Au travers ces 13 titres, il y a une émotion latente. Comment trouvez-vous votre inspiration? L'inspiration, elle m'est venue, elle est tombée un peu du ciel en fait, pour le coup. Et elle m'est venue spontanément, j'ai eu beaucoup de chance d'être inspirée. Elle m'est venue d'une phrase, d'un mot, de quelque chose que je trouvais joli, d'un joli son, d'une idée, d'une volonté, d'un fantasme parfois, d'une histoire que j'avais entendue. Elle a été très variée. Et voilà, c'est comme ça que... Enfin, tout peut m'inspirer en fait, quand je suis inspirée, mais j'imagine que c'est comme ça pour beaucoup d'artistes. Par rapport à votre inspiration, parlons de ce superbe clip Badaboom. Vous avez reçu l'aide du binôme Pietragala des Rouault. J'ai eu la chance de collaborer avec la compagnie Le Théâtre du Corps de Pietragala et de Rouault. Ça a été une expérience formidable pour moi qui fait de la danse depuis toute petite et qui adore ce qu'ils font. Et ça a été superbe, une superbe expérience. Judith, vous avez réuni des fonds en à peine 6 jours. Cela annonce un grand succès pour ce magnifique album Tomber du lit. Quel conseil pourriez-vous donner aux artistes chanteurs de casting.fr qui rêvent d'entamer une carrière comme la vôtre? J'ai eu beaucoup de chance de réunir les fonds, c'est vrai, en 6 jours seulement. On a même réuni plus que ce qu'on avait demandé. Et on a été tous très surpris ici que ça aille si vite. Et j'ai été très heureuse. Du coup, ça me donne confiance pour la sortie de cet album. Le seul conseil que je donnerais aux gens, à mon humble niveau, c'est d'y croire et c'est de se lancer. De ne pas écouter ce que X, Y nous disent. De croire en sa flamme, en sa conviction personnelle et d'y aller. Merci Judith et surtout on vous souhaite autant de succès que votre talent. À bientôt. Merci à vous. Judith, j'ai entendu dire que vous achetiez le mycasting.fr. C'est vrai, j'ai acheté le magazine et j'épluchais tous les articles, je lisais les conseils avec attention. Et je dois dire que je rêvais de pouvoir m'abonner tous les mois au site. Mais à l'époque, je pouvais pas parce que j'économisais déjà pour payer une maquette, pour payer des photos, pour pouvoir payer mes cours de chant particuliers. Donc tout ça, je faisais avec l'argent de mes babysitting et j'avais pas tant de babysitting que ça. Donc du coup, ça me touche beaucoup d'être interviewée par vous aujourd'hui.